On va essayer d'atterrir là, à peu près, parce qu'il y a des caisses. Et il y a peu de gens qui y vont en général. Il y a des caisses dorées là, des caisses spéciales, on la voit, elle est là-bas. Et il y a une autre caisse dorée au niveau de la maison là-bas. Au niveau du temple. On va essayer de conserver un peu nos ailes, on n'a pas besoin de les utiliser là, il n'y a personne. Oh si! Je me suis trompé, il y avait quelqu'un. Il n'a pas pris pont bleu. Dommage. Il m'aurait peut-être tué avec. Pas un grand fan du fusil tireur d'élite prédateur là. On tire dessus. On va se casser parce qu'on n'est pas full vie. On va aller dans la mare verte là pour avoir nos trois petits crânes qui nous permettent de faire des dingueries si besoin. Voilà. Et voilà. Et on récupère une autre arme. Alors la Thompson, je trouve qu'elle est un peu surcotée. Par contre, cette arme-là, d'Hadès, elle est vraiment, vraiment cool. Ok, j'absorbe les PV des adversaires que j'élimine. Cette arme d'Hadès, elle est vraiment trop forte. J'ai zéro vie par contre. Après, le meilleur médaillon, je crois que c'est celui de Cerbère où je sens à tous les crânes à chaque fois un peu en illimité qui se régénère là. Ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Oh, mais je me fais sniper en fait moi là depuis tout à l'heure. Ok.
Il me suit à la trace, il me suit à la trace, c'est un peu chiant. Ah, toujours le même Gus, hein. Let's go, let's go! J'ai failli choke, let's go! La petite 8 kills qui régale. Le top 1 final avec la mitraillette d'Ares. Let's go!